Monsieur Mourita, réveillez-vous, l'interview a commencé. Alors, bienvenue pour l'interview. Et tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre très beau chapeau que vous avez sur la tête. J'aimerais bien en acheter un pareil. Ils sont très, très beaux. Vous me donnerez l'adresse de votre magasin. Alors, ma toute première question, c'est que vous étiez au sommet d'Alger et vous êtes fait beaucoup remarquer. Alors, pourquoi avez-vous fait autant de cinéma? Oui. J'y ai quitté la réunion des ministres des Affaires étrangères pour mettre en avant le manque de respect des règles protocolaires. Oui, il y a eu cet incident, il y en a eu beaucoup d'autres, mais quel est votre problème avec l'Algérie? L'Algérie est le seul responsable de cette situation en armant les Sahraouis pour attaquer un pays voisin. Et c'est pour ça que votre roi n'est pas venu en Algérie alors qu'il avait confirmé qu'on lui avait préparé sa chambre? Les conditions n'étaient pas réunies pour sa présence personnelle au sommet. Il a peut-être raté l'avion après être rentré très tard la nuit d'une soirée encore arrosée sur Paris. Normalement, quand on est invité et qu'on a confirmé, au moins on s'excuse. L'a-t-il fait? Sa Majesté, Mohamed VI, a donné ses instructions pour adresser une invitation ouverte au président Tebboune puisque ce dialogue n'a pas pu avoir lieu à Alger. Ah d'accord, donc c'est tu m'invites chez toi, je dis oui mais je viens pas, mais je t'invite après chez moi. Vous trouvez pas que c'est un petit peu contradictoire quand même? Lorsqu'on est clair par rapport à ses positions, lorsqu'on n'instrumentalise pas les causes des autres, ça ne pose pas de contradiction. Merci Monsieur Mourita. Eh bien, je vous remercie. Puis vous m'aviez dit avant l'interview que vous aimiez beaucoup la chanson El Mourita, la chanson sur un petit âne, une chanson mexicaine, je crois. Eh bien, pour vous faire plaisir, nous allons nous quitter avec cette chanson. Au revoir. Poncera la burrita, 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 ve que va a llover. Recoge el sillón y poncera la burrita, poncera la burrita, poncera la burrita.